coton de Tuléar est une race de chien originaire de Madagascar. Voici une description générale du coton de Tuléar. Le coton de Tuléar est un chien de petite à moyenne taille, compact et bien proportionné. Il a une tête ronde avec un museau court, des yeux ronds et sombres, ainsi que des oreilles tombantes et bien recouvertes de poils. Sa caractéristique distinctive est son pelage cotonneux et doux, d'où son nom. La couleur de sa robe peut varier, allant du blanc pur à des teintes de crème claire, mais le blanc est le plus fréquent. Le coton de Tuléar est réputé pour sa personnalité amicale, joyeuse et enjouée. Il est souvent décrit comme étant un chien affectueux, sociable et attaché à sa famille. Les cotons de Tuléar sont généralement très amicaux avec les étrangers et s'entendent bien avec d'autres animaux de compagnie. Ils ont également tendance à être intelligents, faciles à vivre et adaptables, ce qui en fait de bons compagnons pour les familles, y compris celles avec de jeunes enfants. Le coton de Tuléar est un chien actif, mais il a des besoins en exercice modérés. Des promenades quotidiennes, des séances de jeu et des activités interactives suffisent généralement pour répondre à leurs besoins d'exercice. Ils sont également connus pour être des chiens agiles et peuvent participer à des activités telles que l'agilité, l'obéissance et les jeux d'adresse. Le pelage du coton de Tuléar nécessite des soins réguliers pour rester en bon état. Le brossage quotidien est essentiel pour éviter les nœuds et les enchevêtrements, car leur pelage cotonneux a tendance à s'emmêler facilement. Vous pouvez utiliser une brosse à dents douces ou un peigne à dents larges pour démêler les poils. Ils peuvent nécessiter un toilettage professionnel régulier pour maintenir leur pelage en forme. Les oreilles doivent être vérifiées régulièrement et nettoyées pour éviter les infections. Les ongles doivent également être coupés régulièrement et une attention particulière doit être portée à l'hygiène dentaire. Le coton de Tuléar est généralement une race en bonne santé, mais comme tous les chiens, ils peuvent être sujets à certains problèmes de santé. Les problèmes les plus couramment signalés chez les cotons de Tuléar incluent les allergies cutanées, les problèmes dentaires tels que la malocclusion et les maladies oculaires telles que les cataractes. Il est important de choisir un chiot auprès d'un éleveur réputé qui effectue des tests de santé appropriés sur les parents. Le coton de Tuléar est un chien charmant, sociable et plein de vie qui peut apporter beaucoup de joie à la vie de sa famille. Avec des soins appropriés, une éducation positive et suffisamment d'amour et d'attention, ils peuvent être d'excellents compagnons de famille. Choisissez une nourriture spécialement formulée pour les petites races, en tenant compte de l'âge, du niveau d'activité et de l'état de santé de votre coton de Tuléar. Optez pour des aliments riches en protéines de qualité, en vitamines et en minéraux. Évitez la suralimentation en mesurant les portions de nourriture selon les recommandations du fabricant et en tenant compte du poids et du niveau d'activité de votre chien. Surveillez son poids régulièrement et ajustez les quantités si nécessaire pour maintenir un poids corporel optimal. Il est généralement recommandé de nourrir un coton de Tuléar deux fois par jour, en divisant sa ration quotidienne en deux repas égaux. Cela aide à prévenir les problèmes de digestion et à maintenir un métabolisme régulier. Assurez-vous que l'alimentation de votre coton de Tuléar est équilibrée et contient tous les nutriments essentiels dont il a besoin, tels que des protéines, des glucides, des graisses, des vitamines et des minéraux.
Consultez votre vétérinaire pour obtenir des recommandations spécifiques sur l'alimentation de votre chien. Le pelage du coton de Tuléar nécessite un brossage régulier pour éviter les nœuds et les enchevêtrements. Un brossage quotidien est recommandé pour maintenir son pelage en bon état. Utilisez une brosse à dents douce ou un peigne à dents large pour démêler les poils. Les cotons de Tuléar peuvent nécessiter un toilettage professionnel régulier pour maintenir leur pelage en bonne santé et esthétique. Un toiletteur pourra couper les poils en excès, façonner le pelage et effectuer d'autres soins nécessaires. Vérifiez régulièrement les oreilles de votre coton de Tuléar pour détecter tout signe d'irritation, de rougeur ou d'odeur désagréable. Nettoyez-les avec un produit recommandé par votre vétérinaire pour éviter les infections. Brossez régulièrement les dents de votre chien avec un dentifrice et une brosse à dents spécialement conçue pour les chiens. Vous pouvez également envisager des jouets à mâcher appropriés pour aider à maintenir une bonne santé dentaire. Le coton de Tuléar est un chien actif qui a besoin d'exercices réguliers pour être en bonne santé et équilibré. Prévoyez des promenades quotidiennes, des séances de jeu et des opportunités de courir en liberté dans un espace sécurisé. Planifiez des visites régulières chez le vétérinaire pour des examens de santé, des vaccinations à jour et des traitements antiparasitaires. Votre vétérinaire pourra également vous conseiller sur les besoins spécifiques de santé de votre coton de Tuléar. N'oubliez pas de consulter régulièrement votre vétérinaire pour obtenir des conseils spécifiques sur l'alimentation, les soins et la santé de votre coton de Tuléar. Chaque chien est unique et il est important d'adapter les soins en fonction de ses besoins individuels.